Pour une bonne prise en charge de vos acouphènes, il faut que vos acouphènes soient continus, subjectifs, masquables, inhibables totalement ou partiellement. Pour savoir s'ils sont subjectifs, c'est un son que vous seul entendez. Il faut que vos acouphènes soient continus, donc continus tout au long de la journée. Masquables et inhibables, et ben ça on va le savoir grâce au test spécifique à Amplifon. Nous allons déterminer par différents tests la typologie de vos acouphènes. Nous allons aussi remplir ensemble un questionnaire et cela va nous permettre de mettre en place différentes thérapies sonores. Chez Amplifon, nous avons des tests spécifiques comme l'acouphénométrie et les tests de masquage et d'inhibition résiduelle. L'acouphénométrie permet de déterminer la fréquence et l'intensité de vos acouphènes. Et puis ensuite, en fonction de ces résultats, nous allons passer à la thérapie d'inhibition résiduelle, c'est-à-dire nous allons vous mettre un casque sur les oreilles pendant 120 secondes avec un bruit que nous aurons déterminé grâce à l'acouphénométrie. Au bout des 120 secondes, nous allons vous demander comment sont vos acouphènes et ce qu'ils ont potentiellement diminué. Et cela va nous permettre de pouvoir régler les appareils auditifs en fonction et d'apporter vraiment une correction auditive à la mesure de l'acouphène. Dans 70% des cas, la simple correction de l'audition à la mesure de l'acouphène suffit et permet vraiment d'avoir une diminution de vos acouphènes, des acouphènes du patient. Si cela n'est pas le cas, nous mettrons dans un second temps, et grâce aux tests que nous aurons faits, la thérapie sonore en place, et donc nous mettrons en place le bruit blanc. Le bruit blanc va permettre de défocaliser l'attention du cerveau sur l'acouphène.